You know, Akron, to me, it's home. It's, you know, it's a family member. It's my father. It helped raise me, you know. And, you know, without that city, without everything that I went through as a kid and growing up as a teenager and who I am today, I wouldn't be the professional basketball player. I wouldn't be the leader or the father I am today without that city. Children brought Ripley's burning, and the girls are getting sick of huffing glue up. Vous ne devez pas oublier que Gloria était une mère célibataire. Elle a eu Libran à 16 ans, donc c'était déjà compliqué dès la naissance. Sa mère luttait vraiment pour trouver de quoi vivre, autant pour elle que pour lui. Il a grandi dans des quartiers difficiles, des endroits où si en tant que parent vous aviez le choix, vous ne laisseriez pas vos enfants grandir là. C'était un quartier où il y avait beaucoup de violence, de crimes et de drogue. Enfin, toutes ces choses que la classe moyenne n'a jamais eu à vivre. En CM1, il a manqué 87 jours d'école à cause de ça. Ne pas savoir où dormir, ne pas savoir ce que l'on va manger. Et puis Gloria lui disait, « Libran, ne t'installe pas trop, parce qu'on pourrait changer d'endroit à tout moment. » Il a donc manqué 87 jours d'école. L'année suivante, il emménage chez les Walker, la famille de Frankie Walker. Je connaissais Frankie, et c'est lui qui m'a présenté Libran. Il avait 10 ans. Libran was 10. Gloria était quelqu'un de plutôt clairvoyant. Elle nous a fait confiance, mais elle ne faisait pas confiance à tout le monde. Elle a bien voulu croire en Frankie Walker et moi, croire que son fils serait bien à nos côtés. Libran adore le sport. Beaucoup de gens qui le connaissent pourront vous le dire. Il était un extraordinaire joueur de football, un très bon receveur. Il a failli choisir le football comme sport. Même à Saint-Vincent-Sainte-Marie, il était receveur dans l'équipe de football. Et sans aucun doute, il serait devenu un grand joueur de la NFL et un excellent joueur d'université. Tout le monde savait que Libran était un athlète phénoménal. On savait qu'il avait du potentiel. Tout le monde a cru que ce serait dans le football, mais quand il a essayé le basketball, on a fait pencher la balance. Il avait une bande d'amis. Mon fils, Sian Cotton, le fils de Frankie Walker et Romeo Travis. Ils ont toujours été ensemble depuis leurs 9, 10 ans. Et même si leurs vies ont changé, chacun a choisi son chemin. Mais quand ils se retrouvent, ils sont comme des gamins de 10 ans. Ces mecs ont toujours joué ensemble à l'école. Ou en tant qu'amateur. Là, au moment de rejoindre le lycée, il a fallu choisir où aller et quoi faire. Ils ont tous décidé d'aller à Saint-Vincent-Sainte-Marie pour ne pas casser cette équipe qu'ils avaient formée. That school helped pave the way for who I am today and for me to be able to give back to the youth. You know, those guys that's there, Coach Drew obviously, and to the rest of that school, you know, they had a big part of my teenage years. You know, from 4 years, from 14 to 18, you know, I spent almost every day there. C'était en 2001. En 2001, oui. La deuxième victoire consécutive pour nos garçons. Ça, c'est LeBron sur la photo. Et ça, c'est son meilleur ami, Drew Joyce Jr.
C'était vraiment un garçon très maigre à l'époque, grand et alerte. Tall and lanky. Ces petits gars-là avaient grandi au même endroit, dans le même quartier. Ils étaient spéciaux. On pouvait voir que LeBron était un peu le chef de cette équipe. Il faisait en sorte que tous les joueurs se sentent aussi bons que lui, même s'ils ne l'étaient pas. Je me souviens en 2003, dans sa première année senior, c'est là où il a explosé. On l'a invité à la draft, c'est là où il était choisi par Cleveland. Tous les médias en ont parlé. Tout le monde savait qui c'était. Les magazines racontaient son histoire. On le voyait sur les publicités. Sa première année de senior, il signe un contrat de 90 millions de dollars avec Nike. C'est une histoire qui en dit beaucoup sur lui. La veille, il est chez lui en train de jouer aux jeux vidéo. Le soir, il descend en ville pour signer un contrat de 90 millions de dollars. Le lendemain, il doit aller en cours. Dès le lendemain, c'est un étudiant comme les autres qui reste assis et prend des notes. Comment tu peux rester tranquille assis sur ta chaise? Comment tu peux te concentrer alors que tu es 90 millions de fois plus riche que la veille? With the first pick in the 2003 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select LeBron James. So congratulations to LeBron James, the 2008-2009 NBA Most Valuable Player. Franchement, quel mec dans la NBA reviendrait dans le club de son école pour recevoir son premier titre MVP? Je veux dire, il y a l'Arena à Cleveland, tu as 20 000 fans qui t'attendent, mais non, il voulait le partager avec nous. But he wanted to share it with us. The answer to the question everybody wants to know. LeBron, what's your decision? In this fall, man, this is very tough. In this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Miami Heat. That was the conclusion you woke up with this morning. Vous savez, Miami avait les paillettes, le glamour et plein d'autres choses. Mais il y a une partie de lui qui est encore petite ville, gars de l'Ohio. Les gens d'Akron étaient heureux pour lui, parce que c'est notre champion local qui veut faire carrière. Et même s'il fait de son mieux ici à Cleveland, ça ne marche pas. Donc fonce, fais-le, et on sait que tu sais où est la maison. The Miami Heat are once again NBA champions. LeBron James captures that elusive title he so desperately coveted. Congratulations, LeBron James, the 2011-2012 Kia NBA Most Valuable Player. The 2013 NBA Championship resides once again in Miami. Congratulations, LeBron James. The 2012-13 Kia NBA Most Valuable Player. To see that and to voir ça et savoir qu'on a participé à cette construction. As I said, et c'est juste le meilleur sentiment que j'ai pu savoir. Comme un père, comme un proche de la famille, comme un coach, tu te sens bien avec ça. Tu es heureux pour lui, parce que non seulement il est arrivé au sommet, mais il l'a fait avec la manière. Il a été irréprochable.
Bien sûr, il n'est pas parfait. On pourrait pointer ce qu'il a fait en quittant Cleveland. Mais bon, si tu lui demandais de le faire à nouveau, il le ferait différemment. Tu apprends de tout ça et tu grandis. Mais c'est la clé. Il a appris et il a grandi. Welcome to SportsCenter with John Anderson. I'm Lindsay Zarniak. So those 4 years in Miami, LeBron described like college for him. So now, LeBron returning home with knowledge, with experience, and quite a talent. Je pense que son idée a toujours été de revenir ici, à Cleveland, en tant que joueur. Mais le plus important pour lui était de rentrer avec sa famille, pour que ses deux garçons et bientôt sa petite fille puissent grandir dans la ville où lui a grandi. I swear I missed y'all. It's like those 4 years. I missed y'all. I missed this home cooking. I'ma do what makes my city and my state happy. And that's why I came back. I love you. I'm back. Il a la chance de rentrer et de faire quelque chose de grand, finir ce qu'il n'a pas abouti. À mon avis, pour un athlète, c'est le meilleur des défis. LeBron est vraiment concentré sur un objectif depuis qu'il est revenu. Offrir un titre à l'Ohio, c'est la mission de sa vie. On espère, enfin, on y croit. Well, I met you at the blood bank. We were looking at the thing, wondering if it's always great to be able to be successful, but more than anything, be able to be successful and give back. That's the most important thing. You said, see, look at that, it's yours.